Dans ce petit direct, nous allons nous faire écouter un extrait très important, un extrait de l'intervention des médias étrangers très aguerris qui parlent de cette situation de généraux, de général dans ce pays. Et j'appellerai Mariam Kankalabé pour venir écouter. Mariam Kankalabé. Et bien avant ça, je m'adresserai à Elaz Alsen Dalaba, c'est-à-dire le patron de Haly Poular qui a été humilié. Je n'irai pas ici que c'est bien fait pour lui. Non, 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 non. Non. Mais je pense qu'il a compris le jeu dans lequel se trouve Mamadi et ses proches. Il est dessus. Et je pense qu'il veut mettre tout sur Baouri. Non, il est loin de là. Donc, mais avant de commencer, nous avons appris, selon des sources très sûres au niveau du Konya, vous savez, cette grande communauté forestière, le Konya. Merci beaucoup, Yannick. J'enverrai Yannick, je promets. La grande famille du Konya organise un grand événement à Paris le 14 décembre. Les 33 associations du Konya sur l'île de France, partout en France, il y en a au moins 33, hein, je crois bien, m'apprend-on. Plus de 33 associations de Konya. Ils ont décidé de manifester le 14 décembre, je crois, oui, le 14 décembre, si c'est bon, le 14, mais j'attends d'abord le document. D'abord, nous félicitons, nous saluons tout le Konya sur le territoire français et tout le Konya sur le territoire belge. Mais je m'adresse au Konya de la France. Et je le demanderai encore une fois merci et du courage pour leur combat. Bakadialo, depuis le Bronx, merci. Donc, nous le disons merci, Sangari Youssouf, merci. Nous le disons merci. Parce que dans l'erreur, quand vous regardez le contenu, ce qui les motive à manifester, à crier haut et fort, est purement et simplement raisonnable. Et ce qui me plaît, ils ne parleront pas de Konya seulement. Ils parleront de la forêt, les forestiers qui sont tués et mis en prison. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit et qui le répètent que Amara, le petit Amara, Amara est votre faux général, qui n'a jamais combattu, qui ne s'est même pas mané là, a dompté le Konya. Et voilà l'humiliation qui va, parce que la grande humiliation, c'est lorsqu'on vient mentir au délinquant Mamadi que non, il a dompté, j'ai le Konya aujourd'hui et la forêt c'est le Konya. Ce qui est faux, parce que si nous prenons la forêt, il y a au moins 5 grandes ethnies en forêt qui se valent. Oh non, mon frère de Mamou, comment va-t-il, Ibrahim? Oh non, parce qu'il y a les Kissi, il y a les Thomas, les Konya. Il y a les Pelé, c'est-à-dire les Guerzé, les Pelé, les Manon. Donc, c'est un mensonge. Donc, je mets ça en avant pour tacler. Nous avons appris et on attend. Il y a une association, il y a des jeunes du Konya dans la ville de Conakry. Voilà pourquoi quand je parle de ça, Monsieur Lucien Nkrumah, il faut quitter ma page. Quittez ma page, s'il vous plaît. Il faut quitter ma page. Si tu es, va supporter Mamadi. Lucien Nkrumah, il faut aller supporter Mamadi. Ibona Pajma. Il faut aller supporter Mamadi. Il faut quitter ma page. Parce que quand je vois des jeunes Konyankais perdus, des poltrons, des perdus, des vauriens, d'abord qui ne sont même pas éveillés, venir dire non, il ne faut pas identifier. Il faut quitter ma page, Ibona Pajma. Parce que je n'étais pas invité ici.
Tu n'as même pas besoin de me suivre. Tu n'as pas besoin. Donc, full camp, il faut quitter ma page. Il faut aller dire ça à Amara. Il faut quitter ma page. Bon, la page, mais, Lucène Kourouma. Allez, Nyemodé à Ondaro. Parce que vous êtes des traîtres, des bêtes. Vous êtes des vauriens réunis. Vous ne savez même pas comment le monde évolue. Pour vous, si vous avez 1 million, 2 millions, vous vous habillez très bien, le monde évolue. Vous ne pensez pas à ce pays et ce qui arrive à ce pays-là. Vous n'êtes même pas jaloux, positivement. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez Ibrahim Traoré, un autre pays poussiste qui est en train de payer des tracteurs par-ci pour aider sa population. Bande de vauriens, c'est venu se flanquer sur les pages de, avec vos testicules pourris pour parler de que tu ne fais pas comme ça. Vous ne voyez pas les autres pays? Regardez la Tanzanie. Le monde entier est en train de montrer la Tanzanie partout. Regardez la Tanzanie. Le chemin de fer. Combien de kilomètres de chemin de fer? Hein? La Tanzanie. Regardez le Sénégal. Qui est en train d'évoluer politiquement, des imbéciles. Cela. Faut quitter ma page. Hein? Non, frère Ahmed, il faut le laisser. C'est les jeunes Konyan qui ont perdu. D'ailleurs, voilà, quand ils nous disent que nous, les Konyans, qui ne sommes pas éveillés, ça fâche les gens. Mais c'est une réalité. Là, c'est comme ça que les gens se moquent de nous. Ils disent, ah, mais les Konyans, qui ne sont pas éveillés. C'est la vérité. C'est pas l'habit. Ce n'est pas l'habit. Vous pensez que eux, là, quand ils s'habillent, là, ils mettent les différentes couleurs, là. Et tu les vois parce qu'ils sont arrivés. Ou bien ils ont 20 000, 10 000 dollars. Ils pensent que le monde se limite à ça. Regardez ce pays-là. Qui peut supporter un criminel? Et puis c'est quoi? Tant tu vas le demander, moi, Bademale, Doumbouya, trophée. Et puis ça le suffit. Hein? Tu le demandes tout de suite là. C'est mon parent qui est à côté de Doumbouya. Et puis ça le suffit. Pour lui, ça le suffit largement d'entendre que c'est un Konyanke qui est à côté de Doumbouya. Et puis c'est terminé. Amara, que tu vois comme ça, qu'est-ce qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il peut te donner, bande de vauriens? Faut quitter ma page, hein? Parce que Mignignano, hein? Bande complexée. Ils sont nombreux à faire les fils. Bande complexée. Ils sont tellement complexés. Ils ne volent même pas. Il faut aller demander à ton père. Je continue. Excusez-moi. Hein? Regardez ces bandes de vauriens de Conakry, des jeunes Konyankais perdus. Qui ne savent même pas quoi faire dans la vie, se sont regroupés ce matin pour aller montrer leur reconnaissance à Amara. Merci beaucoup, mon grand Escanté. Des vauriens. Et c'est vrai. Aska Fakoli, va demander à ton père. C'est ce que j'ai dit. Waifa Maninga, va demander à ton père. Parce que moi, je n'ai pas parlé de l'ethnie konyanke ici. J'ai dit des jeunes Konyans qui est perdu. C'est comme ça que je vais m'adresser à. Parce que c'est eux qui sont en train de mettre ce pays en retard, de voler, de complexer. Quoi, il faut être respecté envers l'imbécile. Et puis là, tu viens te flanquer avec tes testicules sur ma page. Tu ne peux pas voyager, aller faire autre chose. Si tu as du boulot, va travailler. Parce que je ne t'ai pas invité sur ma page. Nous parlons de la Guinée, nous parlons de notre pays, nous parlons de ce pays, comment récupérer ce pays. C'est ce pays-là qui nous intéresse, ce n'est pas une ethnie, c'est les pays, ça dit c'est la Guinée qui nous intéresse, c'est pas le visage d'une ethnie qui nous intéresse ici. Voilà, je ne me suis jamais adressé à une ethnie, je me suis adressé, même quand je parle d'un peuple, je dis un peuple perdu, ou bien vous ne m'entendez pas souvent le dire, un peuple perdu, ou bien je ne le dis pas ici, ou bien un sous-sous perdu. Est-ce que quand tu dis un sous-sous perdu, ça veut dire que tu parles de l'ethnie? Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes complexé. Donc, ça c'est entre parenthèses. Il y a des petits jeunes perdus qui ont reçu de l'argent. Je suis en train de vérifier. C'est une information que j'ai reçue depuis ce matin. Et c'est vrai. Depuis ce matin. Et c'est vrai. Depuis ce matin. Parce que dans ce pays-là, nous voulons récupérer notre pays. Nous avons nos compatriotes, de jeunes Konyanki, qui vivent en Europe, qui ont décidé de faire la voie
de crier fort. Et vous savez le pourquoi? Parce qu'on les a demandé qui sont Konyankais, que Mamadi veut aider le Konya. Écoutez très bien, Mamadi veut, parce qu'ils ont anticipé. Et qu'est-ce que les jeunes là, intelligents, des jeunes Konyankais avertis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on ne peut pas aller soutenir Mamadi Doumbouya, notre grand-père, notre grand-frère, notre oncle. Nos tontons sont en prison, ils sont Konyankais. Nous ne voyons pas la raison de nous lever crier Mamadi Doumbouya, nos parents sont... Et c'est raisonnable, c'est normal. Et puis ils ont dit clairement, nous n'avons rien contre Mamadi. Nous n'avons rien contre lui. C'est lui qui a pris les armes pour tuer les enfants des gens, pour arriver au palais. Maintenant, s'il y a certains jeunes qui pensent qu'il est bon pour eux, là, il n'y a pas de souci. Mais nous autres, là, ne venez pas nous demander de nous soutenir. C'est là le problème. Je vous ai déjà dit dans mes directs, moi, je n'ai pas de problème avec Mamadi. Mais c'est venu me regarder pour me dire, on doit le soutenir parce que c'est un mandingue. C'est là le problème de Benito. Parce que je ne suis pas dans l'affaire de Mandingue, ni de l'affaire de Hali Poulan, ou l'affaire de Sosoka. Je ne suis pas dedans. Je suis dans l'affaire de la Guinée. C'est-à-dire, on me parle de la Guinée. Benito, qu'en penses-tu de la situation actuelle de la Guinée? Quelle solution? Qu'est-ce que toi tu as à dire sur tel terrain? Voilà mon problème à moi. C'est personnel à moi. Maintenant, chacun, voilà pourquoi je n'insulte pas un blogueur. Je ne classe pas un blogueur. Parce que chacun est libre. Voilà, de communiquer la façon dont il voudra. C'est pas mon problème. Moi, je suis du côté du peuple. J'appartiens au RPG Arc-en-Ciel. C'est mon parti politique. Lorsque la politique va arriver, je vais faire la campagne, présenter les projets du RPG. Voilà. Mais pour le moment là, celui qui veut travailler avec Benito, c'est qu'il met en tête que ton ethnie sera attaquée si je vois un délinquant dedans. Et cela ne veut pas dire que je suis en train d'attaquer ton ethnie. Je suis en train d'attaquer celui qui appartient à ton ethnie. C'est tout ce que je sais. Maintenant, tu es libre. Si tu n'es pas pour ça, tu peux aller ailleurs. Voilà pourquoi. Moi, je ne cesse pas de vivre. Dire 30 000, 40 000 personnes aussi. Non. Voilà des jeunes Konyankais ce matin. Voilà ce qu'on me dit. C'est un frère Konyankais. Un grand frère à moi. Un grand frère à moi qui m'a écrit ce matin. Il me dit, Ignalo Yamol l'a dit. Il faut voir tes gens là. Il est Konyankais. Mais il ne se sent pas intéressé par ça. Ignalo Yamol l'a dit. Il dit, il y a des jeunes qui se sont levés pour aller soutenir Amara. Et tu ne vas pas croire, hein. Je dis qui? Il dit, c'est la maman de Azaya. C'est notre tante, hein. C'est notre maman, elle est Konyankais. C'est elle qui est à la base de ça. Je dis, la maman, la nouvelle Hadja. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai écouté son fils, qui a, avec un petit Kanya, qui ont fait une très belle sortie. Qui ont conseillé Mamadi. Mais si sa maman est derrière ça, je n'accuserai pas sa maman. Sa maman-là, je ne l'accuserai pas. Mais ce qui m'intéresse dans cette situation-là, ce sont ces jeunes Konyankais, ignorants, parce qu'ils ignorent. Au fait, ce sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qui se passe dans ce pays-là. Ou bien ils font semblant. C'est tout. C'est-à-dire, soit qu'ils ne savent pas, ou bien ils font semblant. Voilà des individus Konyankais qui disent tout de suite là, tu as quel problème avec le Konya? On dirait que je parle du Konya. Je parle des jeunes Konyankais. Ils sont comme ça. Ils ont une courte mémoire. Ils n'écoutent pas pour comprendre. Dès que tu dis Konya, on saute. Go! Avec Konya Kalmeni. Avec Konya Kalmeni. C'est comme à des moments là, les gens disent que, avec Soso et Kombi. Les gens ont dit, Amou Soso et Kombi, qu'il faut écouter. Non, il faut que tu gagnes à écouter. Faïra. Amou Soso et Rafé, il faut que tu gagnes des jeunes Soso qui suivent. L'affaire là, lorsque les gens n'ont pas prospéré dans ça, ils ont laissé tomber. Sinon, tous les peuples qui me suivent là, ils m'écoutent très bien. J'ai dit les peuples perdus. J'ai toujours dit les peuples perdus. Je ne me suis pas adressé à une ethnie ici. Maintenant, j'ai dit, chacun est libre de coller ça à une ethnie. C'est son problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà ce qu'il m'écrit.
Bonjour Benito, le Konya manifeste aujourd'hui au palais du peuple pour soutenir Amara Camara, une manifestation organisée par la maman de l'artichante Azaya Kamisoko. Yes, oui. L'OCD, il a affaire le olé. Va chier quelque part là-bas, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends, non? Voilà. Quand je vais finir tout de suite là, je vais te mettre de côté et puis c'est terminé. Imbécile. Je le répète encore, le Konya manifeste aujourd'hui au palais du peuple pour soutenir Amara Camara. Une manifestation organisée par la maman de l'artiste chanteur Kamisoko, Azaya. Il faudra vérifier. De mon côté, je l'ai vérifié et puis c'est vrai. Donc, au fil du temps, nous allons revenir ça. Donc, nous allons prendre le sujet de ce débat. Nous allons écouter attentivement un extrait. D'abord, je voudrais remercier Kania Fauté, Soso Fauté, depuis l'Europe, mon grand frère. Le blanc de tous les sous-sous. Soso Fauté, Rebo Bingyani Mantara. Nous avons vu ton message. Nous avons vu ta sortie par rapport à la demande de ce vieux vaurien, Saïba Doumbouya, qui demande aux autres coordinations de soutenir les fils. Parce que à entendre, Doumbouya n'est pas enfant des autres régions, quoi, à entendre. Voilà la belle analyse. Voilà votre mémoire fraîche, grand frère. Soso Fauté. Tu es un intellectuel, parce que je rappelle d'abord que tu es un philosophe, et puis tu as beaucoup évolué. Amidou, pardon, frère Amidou, il ne faut pas le suivre. C'est un complexé. Frère Amidou, il faut le laisser. Il va souffrir sur ma page. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas bloqué tout cela? C'est parce que je veux qu'il m'écoute. Voilà, c'est un quelqu'un qui est très... C'est le mot quoi? C'est le mot pour ne pas qu'il te manque de respect. Pardon. Donc, Soso Fauté, merci parce que, grand frère, Ntarafani, tu as pris ce pays dans ton cœur. Soso Fainira, tu fais partie de ces 90% des sous-sous qui veulent la démocratie. Parce que notre combat, ce n'est pas parce que Mamadi est Malinké, Mamadi est Mandé, Mamadi est comme ça, ou bien tel. Non, c'est parce que nous voulons la démocratie pour notre pays. Parce que seule la démocratie sera avantageuse pour notre pays. Et Tamba Natong, et pour aujourd'hui, Bingé Nima. Non, frère Boissam, ça laissez-les. Bingé Nima, Europe Birin, Bingé Nima, Bina Soso Fauté. Soso Fauté, Dari Itanara, Fauté. Donc, on dit merci. Moi, j'ai reçu ton message. J'ai vu ton poste, j'ai vu ton petit direct sur TikTok. Tu as parfaitement raison. Et puis, tu dis clairement, Na Farafene, Araso Birin Touli. Autant Soso escroneré, Sigamameni. Et en moutant conscientisé, autour matina, je répète tes mots, autour matina, la Guinée fait na den raiki, na ranyo obéré, a falafé, iwaem ma soso era, soso, ifin di soso era porte-parole. Mouna ma semibé, miyomi délégué. J'ai aimé ça, grand frère Soso. Mon âme semibé, miyomi tan délégué. Parce que Mouta Makolon, organisation Mounabar, élection Mounabar, itangawe, Soso est place. Parce que Soso yo Soso, la Guinée Kao, la Guinée Antongo, n'a rien yo rare nana, et d'Adoro, ina mamma dira parcours mato. I mamma di Doumbouya a parcours mato. Ali bonjour, il m'a dit maman. J'ai aimé ça. Parce que c'est vrai, grand frère. Parce que vous avez dit, moi je le dis, je ne m'adresse pas à les sous-sous seulement. Je m'adresse à tous les bons Guinéens, pétris d'intelligence. Regardez le parcours de Mamadi jusqu'au palais Mohamed V. Je dis bien, je m'adresse aux bons Guinéens, réfléchis aux bons Guinéens, averti de regarder le parcours du type jusqu'au palais Mohamed V. Si tu es un bon Guinéen, tu aimes ce pays, tu aimes ta conscience, tu te reproches de rien,
tu peux pas lui dire bonjour. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Donc, je te rejoins, mon grand frère. Et je vais lire ça rapidement. Je vais prendre ton poste. Je vais laisser le TikTok. Je vais prendre. Soso est faute, Nira. Pania faute. Nirli Falamane, je suis témoin, grand frère. Je suis pressé de te voir dans la villa. Nanan Falaibe, je suis trop pressé de te voir. Parce que nanan Falaibe, baï du Maor, baï du Gombo, Renarago, Moubili, promosso, Kira, Ankula Faila. Nagli na falabe. Ntan. Nagli na falabe. Akolo. Naga migende bara falambe. Aïna, aïbare convoité. Amarabare convoité. Alou. Mbore nara, mbore nara, mbore nara. Mouta moussa école. Dis pas avec comment vas-tu mon frère, ça va? Donc... Ah non, grand frère, il a changé de. Moi, je, ça dit, je t'aime. Non, non, Falaibé. Même si nous sommes pas du même bord. Parce que tu dis que tu n'es pas politicien. Tu n'es pas un politicien. Adoumbara a vérifié par ci, par A plus B. Politicien Mira, quand il a fauté. Politicien Mira. Mais quand toi, un intellectuel, hein? Tu as fait 28 ans en Europe, il va aventurer là-bas. Et tu le dis clairement. Je m'adresse aux Guinéens, les Guinéens qui sont intelligents, les Guinéens qui sont réfléchis. Et Rama m'a dit, ah, parcours, ma toha, palais, mon médecin. Réno m'a fallu, bonjour. La Guinée, car Harel n'a pas Harel doré. Bah, dis pas avec comment on va. Merci, dis pas avec pour les aides. Merci. Mon grand frère, mon médecin, depuis Seattle. Respect à toi, Big Brother. Donc, Erana Waitan, Bingenama. Donc, je vais lire ça encore. Et profiter de saluer Eli Kamano. Voilà, Inan Falari. Les blogueurs. Inan, les blogueurs. Dites à la basse-côte de rappeler aux représentants du Manding. Le jour où Doumbouya a chassé, humilié Ella Serruna du palais Mohamed V. Écoutez, parce que ça s'est passé. Hein? Ça s'est passé. Il l'a humilié et puis il l'a insulté. C'est ce qui arrive comme ça à Ella Zassène Bari. Parce que Ella Zassène Bari actuellement a des soucis avec Mamadi. Donc, les blogueurs, dites à la basse-côte de rappeler au président du Manding le jour où Doumbouya a chassé, humilié Ella Serruna du palais Mohamed V. Et après, le rappeler pour bien l'insulter au téléphone, parce qu'il l'a fait. Il l'a appelé au téléphone, il dit qu'il ne veut plus voir ses... Il a insulté Ella Serruna. Ce jour où était cette coordination, c'est ce que j'ai dit hier, hein. Ce jour-là, où il a insulté Ella Serruna, il a humilié où était cette coordination du Manding pour dire la vérité à Doumbouya. Qu'un jour viendra, il aura besoin de cette même basse-côte pour asseoir son pouvoir. Mais, on ne le suivra plus jamais. Selon les dernières consignes données par Ella Serruna, et se voyez. Mais pour le moment, là, je suis le patron de ton père, Lucenu Kourouma. Tu as compris? Tu vas maintenant, pourquoi tu ne vas pas suivre les blogueurs du CNRD? Va là-bas. On va la lever. Ne le répondez pas, hein, parce que c'est fini. Donc, nous disons merci. Parce qu'il a humilié Ella Serruna. Ella Serruna, c'est le Kuntiki de la basse-côte. Il a, et puis Mamadi a pris son téléphone. Non seulement d'abord, il dit qu'il ne le reçoit pas, il l'a insulté. C'est Amara qui est venu de remonter et partir. Après, Doumbouya a pris son téléphone, il a appelé le vieux, il l'a insulté.
Donc, Bascott dut rappeler le coordinateur du Mandingue. Ça, c'est un. Merci, mon frère de Dongoltouma. Ousmane Banouaï, frère de Pita. Donc, nous allons écouter encore. D'abord, je profite pour remercier aussi Elie Kamano. Elie Kamano dit, merci Elie Kamano. Le seul général qui mérite élévation dans cette armée, même à titre posthume, pour service rendu à la nation guinéenne, c'est bien le général Sadiba Coulibaly. Je ne blâmerai pas le peuple dans ce contexte de paupérisation à grande échelle instauré par ce cartel civilo-militaire dénommé CNRD Zéro Vision. Parce que tout peuple qui n'est pas à l'abri du besoin primaire est en proie de toutes sortes d'illusions, de manipulations et de télé-manipulations. Yeah. Non, Elie Kamano, tu connais le français. Mousto, Aïdinva, Mousto, comment vas-tu? Tu connais le français. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'Elie dit. Elie dit qu'il ne... C'est ce que j'ai dit ici, là. J'ai dit sur la page de Pitaka, sur TikTok, je ne donnerai pas conseil. Je ne donnerai pas conseil au peuple guinéen. Parce que c'est normal, quoi. On les a appauvris. On les a malmenés, c'est-à-dire, pensez sur la merci, on les a malmenés, c'est-à-dire, le peuple guinéen a subi quelque chose, c'est-à-dire, ils ont rendu ce peuple extrêmement pauvre. Les gens ont faim. Donc, ils sont dans l'illusion. On leur montre des maquettes. On montre au peuple des maquettes. On montre au peuple des choses. On dit, voilà ce que Doumbouya va faire dans le futur. Vous êtes dans l'illusion. C'est-à-dire, vous êtes dans l'imagination, quoi. Vous ne savez pas que le monde est en train d'évoluer. Le monde va. Vous êtes là, hein. Celui qui reçoit 500 000 ou bien 1 million, lui aussi, il parle. Elle va bien, elle va bien. Aïe descend dans la chambre, Koroka. Aïe descend dans la. Donc, Elie, merci. Je le répète encore. Merci, Amadou Mouktar Diallo. Merci, frère Amadou. Je le répète encore. Le seul général qui mérite élévation dans cette armée, même à titre posthume, pour service rendu à la nation guinéenne, c'est bien le général Sadiba Coulibaly. Pour service rendu au peuple. Je ne blâmerai pas le peuple dans ce contexte de paupérisation à grande échelle instauré par ce cartel civilo-militaire dénommé CNRD Zéro Vision. Parce que tout peuple qui n'est pas à l'abri du besoin primaire, le besoin primaire là, vous connaissez ça, du besoin primaire est en proie de toutes sortes d'illusions, de manipulations et de télémanipulations. Ça, c'est la vérité. Nous allons quitter là-bas. Nous allons revenir dans l'humiliation des Lazare Arseni, dans là-bas. Donnez-moi une minute. Rapidement, on a pris un peu de temps. Et là, j'ai la scène de là-bas. Si je vais vous montrer ça. Vous savez même. Non. Et là, j'ai la scène de là-bas. Attendez-moi une minute. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ou bien j'ai perdu ça. Ok. Certainement, j'ai perdu. Je l'avais tout de suite. Il m'avait envoyé ça. Attendez, s'il vous plaît. Comment il s'appelle même? Oh, bon, si je ne le trouve pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Si je ne le trouve pas, c'est pas grave. Je voulais vous montrer
quelque chose de très bon. Nous allons laisser ça. Je reviendrai sur ça où Elaz Alcine a été. Je ne sais pas s'il a envoyé sur l'autre nom. Je voulais vous montrer. C'est très. C'est honteux. Voilà. Voilà. Ça est là. Non seulement Elaz Alcine de la Baoui n'accusez pas Baoui. N'accusez pas Baoui. Il n'a pas Baoui. C'est-à-dire, là, vous êtes venu, vous avez vu, on vous a isolé. Quand on vous a récepté là, on dit, voilà votre place de l'autre côté. Regardez, tout le monde était d'un côté. On entoure nos Jodito. On entoure nos Jodito. Regarde, personne ne vous a salué. Donc, il était Dougangal. Vous avez vu? Ils avaient besoin de vous pour la mamaya de Cancan. Ils ont vu en vous qu'ils ne peuvent pas avoir les peuls. Parce que les peuls là sont assis, sont tranquilles. Ils sont assis, ils sont tranquilles. C'est pas, dans toutes les ethnies, il y a des petits escrocs là. Les escrocs sont nombreux chez nous. Nous les forestiers là. Nous avons 90% de l'export. On connaît ça. Dans les autres régions là, il y a les 1-1-1 là. Les 1-1 là, c'est eux qui nous mettent en retard comme ça. Nous ne sommes pas partis. Nous là, nous sommes de côté. On s'en fout. Toute la souffrance qu'il y a en forêt là. Dès qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de riz. Masanta, il n'y a pas de riz. Zérekoré, Beida, il n'y a pas de route. Yomulo, il s'en fout. Ce n'est pas les problèmes. Zérekoré, jusqu'à Kisidougou, Kisidougou, Kankan, non, ce n'est pas le problème du forestier. Mettons ça de plus. Mais oh non. Et là, Zalcine. Et puis, Diotlon. Et puis, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Qui n'est pas. C'est-à-dire, ils ont. Et Inali, le porte-parole de Hali Poular. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont donné la parole à un autre élage, à un autre peuple, qui est aujourd'hui dans la campagne de Moïse Doumbouya à Moïse Guinée, à la Lom Marsoudé. Tu pensais que le budget qui a été voté là, pour la campagne de Moïse à Moïse Guinée, en de nous, ça c'est le travail de Doumbou Yarabi. Ça c'est le travail de Doumbou Yarabi. Et autre personne, le Serag est autre. Comme on est aujourd'hui en train de vous écarter. Parce qu'on fait Wali. Son Fénani l'Aignol Mongol. Vous êtes le représentant d'un grand peuple. Un peuple respectueux. Un peuple d'honneur. Et vous êtes le porte-parole. Et vous refusez d'être sincère, d'être honnête envers votre propre peuple. Votre peuple, votre propre ethnie. On fait Wali. On herse la Guinée et la Zalcéni. Vous ne pourrez pas sortir dans une maison. Vous serez humilié dans ce pays. Je vais vous montrer ça. Nous invitons à ce micro le représentant de la coordination de la Moyenne Guinée. C'est là qu'il nous donne des pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais fait, il est non, Yon. C'est-à-dire, lui-même, il ne s'est pas adressé à vous. Hein. Voilà, attendez. Je voulais que les gens vous voient l'angle là-bas. لهم فيها فاكهة ولهم ما يتقون سلام قولا من رب رحيم اللهم برد إذابه ونبر دريا وتابي بيننا وبينهم بالغير هولي بي داري سالون باردو هولا لنا إلى جالسيني بجوري إيزوني لبا لانجلا من فامي ننفو آمين آمين Attendez, je veux juste que vous voyez le vieux à l'angle. J'insiste pour que vous voyez le vieux à l'angle.
Allah dani subhanahu wa ta'ala tabarak allazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa dhalikum lidna al-maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alamil ghaib wa sa'a. Ma kitabala kum marsisa wa litasalmini ila tibda rabbik lakin yawm. Elaz mama rusi savane. Dare ondo. Dare do. Ko elaz se ko elaz si savane. Ina onongo elaz atande. Gente moja. Gente. Gente fota. Elaza se no hersendo, o hersendo, porque o yei. Subhanallah. Dare elaza se no jori de. Elaza si savani. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un autre coordinateur, une autre coordination. Femme, donc, Jody, que Elaz, le maquis, Kambe, Elaz, si Savani, tête du gamin. Donc, on va laisser ça. On va écouter ça rapidement. Vous savez même. Non, je. Ça ne va pas prendre du temps. Je voulais montrer la vidéo là. Ou bien, je l'ai. Non, c'est ici. C'est quoi ça? Non, attendez. Non, est-ce que. Non. Ou bien. Pardonnez-moi, je cherche ça rapidement. Voilà. Écoutez ça là aussi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein. Écoutez très bien. Ben, vous êtes allé à l'école, mon grand frère qui était là. Koto Ouri ba est là. Ben non, Djangi. Voilà. Écoutons ça, s'il vous plaît. C'est dans l'armée de corps d'armée. Général de corps d'armée. Bon, écoutez, on va prendre. Voilà. Bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New York TV. Bon début de semaine à tous. Merci beaucoup à vous, Pierre Claude Anglenou, d'avoir répondu à notre invitation. Allez-y. Merci également à tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout. Vous nous suivez, coucou spécial à vous, tous qui nous suivez depuis le commissariat de police, depuis les différents services de l'administration publique, pour ne pas faire des jaloux. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée, le général Mamadi. Mamadi Doumbouya est désormais bardé du grade de général d'armée. Il s'était octroyé le grade de général de corps d'armée en janvier 2024. Selon les informations officielles données à l'époque, c'était une proposition donc de l'armée qu'il avait dans un premier temps rejetée et que l'armée a insisté. Et le colonel à l'époque avait accepté, obtenu le grade directement de général de corps d'armée. Mais en ce début au mois d'octobre, le général Mamadi Doumbouya, général de corps d'armée, monte encore d'un nouveau grade et devient général d'armée tout simplement en quelques mois. Donc le colonel est devenu général, disons, 5 étoiles en Guinée. Voilà. Quelque chose qui ne surprend pas quand on sait que avant cette nouvelle nomination, ou bien avant ce nouveau grade, d'autres auteurs de coups d'État dans la sous-région ouest-africaine ont également eu des grades. Je veux parler tout simplement du colonel Assimi Goïta qui est aujourd'hui général d'armée également. Est-ce par convoitise ou par copie que le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, devient général d'armée? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Fioclou Adamblenou.
Général, il est toujours général, sauf c'est les distinctions. Il passe de 4 étoiles à 5 étoiles désormais en Guinée. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, devrait désormais porter sur son chapeau ou sur ses épaules les insignes de général d'armée. Oui. Ça va, Elisa. La semaine écoulée, lors de la célébration du 66e anniversaire Écoutez. De l'organisation des forces armées guinéennes, le général c'est un ancien militaire général de corps d'armée, le général de corps d'armée Mamadou Doumbouya a élevé certains officiers au grade de généraux et lui-même s'est autopromu général de corps d'armée après 10 mois qui s'était promu général de corps d'armée. Et la situation actuelle prouve à suffisance que il est l'officier, c'est le grade le plus élevé au sein de l'armée guinéenne aujourd'hui. Étant donné qu'il a nommé des généraux de brigade, généraux de division et autres, il est le chef suprême de eux tous et chef de la transition. Et ça s'exprime valablement. Mais le problème, c'est que avant, dans la déontologie d'une armée républicaine, quand on est colonel ou bien colonel-major, il faut avoir le grade de général de brigade. Deux étoiles. Et général de division, 3 étoiles. En janvier, il s'est donné le titre de général d'armée avec le grade de général de corps d'armée avec le grade de quatre étoiles. En quittant le titre de colonel, et aujourd'hui, général d'armée avec 5 étoiles. Moi, je peux dire que dans la déontologie militaire, le grade de général est seulement à deux niveaux, le général de brigade et le général de division. Et le général de corps d'armée et le général d'armée sont des nominations à titre politique. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport au travail que vous faites comme homme général de corps d'armée ou général d'armée. Quand tu es colonel et que tu es promu au grade de général, ça peut être à cause de ta compétence et avant d'y accéder aussi, il faut faire des stages, faire des formations pour l'obtenir. Des fois, ce sont des nominations politiques. Aujourd'hui, là où ça ne se comprend pas du tout, c'est qu'il a sauté les étapes de général de brigade, de général de division pour aller au titre de général de corps d'armée et 10 mois plus tard au corps au général d'armée. Selon la loi, le décret loi du 6 juin 1939, c'est dans l'armée de terre. Et de la ça, c'est une loi française. Une loi française. Et surtout que les pays africains francophones ont carqué ont fait une copie collée de cette. Je peux dire que c'est ça. Donc, par exemple, le titre de chez maréchal, ce n'est pas un grade, mais un titre de dignité dans l'État. Donc, un titre honorifique. Donc, le général d'armée Doumbouya, aujourd'hui, c'est auto-promu général, chef des chefs militaires. Et il a, par exemple, au niveau de l'armée française, quand tu es général d'armée, tu as sous tes commandements plusieurs unités de différents corps d'armée, entre 20 000 et 45 000 hommes. Je ne sais pas si l'armée guinéenne a 45 000 hommes sous le drapeau. Non. Pour qu'ils puissent se donner ce grade. Mais apparemment. Voilà. Je vais résumer ça rapidement. Vous avez écouté le tonton. C'est un ancien officier supérieur. Ce pays-là, la Guinée est foutue. C'est fini. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai pris la partie d'Eli Kamano. Parce que Eli Kamano, ce qu'il dit, c'est Sadiba Koulibaly, seul qui mérite l'élévation de général par la compétence et par la formation. Parce qu'on quitte le grade de colonel pour arriver en général de brigade d'abord. L'étape là, qui doit d'abord faire beaucoup de formation, beaucoup de stages, avant d'abord de quitter du colonel à général de brigade. La partie là d'abord, tu dois faire la formation,
tu dois faire des stages, c'est-à-dire tu dois faire tellement de formations avant. Mais lui d'abord, il a sauté toutes ces étapes. C'est-à-dire de colonel, on l'a envoyé à général de corps d'armée. Il a brisé trois étapes. C'est comme Aminata Diallo. Aminata, général de corps d'armée. Merci mon frère Ouri, Kamara, merci. Vous comprenez? Ça là, est-ce que ce sont des journalistes guinéens? Non, non, non. Ça c'est des médias sérieux. Le vieux est en train de détailler. Non, ma, il dit c'est auto. C'est lui qui s'est donné. Et puis regardez, c'est en 10 mois. En 10 mois, hein, pourquoi il parle de 10 mois? Demandez, on ne peut pas quitter d'un poste, d'un grade à un autre. Vous aussi en 10 mois. Et vous aussi. C'est en 10 mois. Hein. Et puis il rappelle la première, on dit mon mari ne voulait pas être, on l'a forcé. Qu'on l'a forcé. Et pourtant, c'était le papa d'Amara qui s'est prêté pour porter le grade. Nous sommes dans un pays de délinquants. Des vrais délinquants. On s'octroie des grades. Amara, là, je le mets à défi. Montrez-moi où ils ont envoyé Amara en combat. Il n'a jamais combattu Amara. Il a suivi une seule formation. Une seule! Ça, c'était au temps d'Alpha Condé, au nom du petit militaire, prétendu militaire. Il est parti en France. C'est à son retour même, il avait fait une première formation à son retour, Davis l'a mis en prison. Parce que son nom était sur une liste des Américains. Pour le trafic, parce que son papa était le parrain. Son papa était le parrain de trafiquants de drogue dans son pays, au temps de l'Alpha Condé. Le papa était le coordinateur. C'est le papa d'Amara qui coordonnait toutes les ventes. Tout ce qu'on vendait. Les réseaux de drogue dans ce pays-là, le papa d'Amara. Donc Amara était dedans, son frère était dedans. Quand il est rentré, Dadis l'a mis en prison. Ton père. D'abord, eux, ils étaient les branches. Amara était les branches. Et lui, et son frère, Mori, c'était tous dedans. C'est le même Mori aujourd'hui. C'est le même Mori aujourd'hui. On l'envoie où même? Qui se prend avec des voitures blindées. C'est quand j'ai fait tellement de live sur lui, il a fait profit bas. Almen Diaoul Nouri. Allez les Houthis. Et nous avons appris pour terminer, les Nations Unies envoient une délégation à Conakry. Les Nations Unies. Et c'est sous la demande. Parce qu'ils sont prêts à nous condamner à être responsables du refus du dialogue. Sous la demande, c'est Maurice Sanda qui a écrit la lettre aux Nations Unies de venir pour parler de politique, parler d'élection maintenant. En un mois, comme ils ont su que nous ne nous amusons pas, ils ont compris que nous sommes au sérieux, ils ont compris que nous allons en découdre le 31 décembre. Ils ont fait venir l'ONU. Pour dire quoi? Si, parce que c'est eux qui vont donner la liste des partis politiques qui vont rencontrer la délégation onusienne. C'est eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes là, nous attendons le compte rendu des éventuelles rencontres avec les Nations Unies. Il faut venir accuser le RPG, l'IFDG d'être des partis. Wallahi, ce que vous n'avez pas pu faire à Gaza, où Israël vous a expulsé là-bas, ils ont demandé à Oumra de quitter là-bas. L'alliance onusienne là. Nous allons vous montrer quelque chose dans ce pays-là. Les gens là ont passé 3 ans, vous n'avez pas envoyé de délégation pour parler d'élection. C'est à un mois de la fin de la transition, vous venez nous chauffer les oreilles. Il n'y a pas de souci. On se reprend après. Nous allons en débattre dans un autre direct, Inch'Allah.